rappelle notre magazine financier investi, une émission que nous produisons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h, lundi soir à 9h30 et dans la soirée pour radio. L'émission, ça, comme nous connaissons, est disponible sur Internet que à partir d'après-midi, à l'infini de l'année, capable de repasser n'importe qui l'heure. Et quelle que soit la position, nous, que c'est la famille gagnée, c'est l'entreprise gagnée. Donc, nous avons des choses pour nous apprendre et l'inflation agit sous consommateur, agit sous producteur à tout. Donc, comment que chaîne, concept vicieux capable de créer et pour nous capable de comprendre tout élément ça. Et lorsque les États-Unis publient des données ça, ce n'est pas seulement nous-mêmes là qui reste du monde, les États-Unis. Les États-Unis, c'est le reste du monde, pays européen et pays européen, c'est le reste du monde. Donc, nous, que. Bon, il y a parlé de fragmentation, je veux dire, parce que mondialisation a un petit choc, mais l'économie est mélangée avec l'autre. Si bah, ou mal en Chine, il a passé mal aux États-Unis. Lorsque les États-Unis ont marché mal, il n'est pas bon pour la Chine, parce qu'il y a des interconnexions. Pas de monde qui vit en base clos, après chaque monde a vécu dans un petit coin par où ça n'a pas existé, je veux dire, l'économie est connectée en quelque sorte. Donc, en attendant, avant de recevoir l'invité du jour, nous, et qui parle entrer dans la même discussion, ça, l'importance des sondages pour être capable d'évaluer ça. Et puis, on a parlé de qui morale consommateur, l'aspect psychologique. Bon, nous, ça, les psychologues, émission à côté liés à Porto Rico, parce que je suis intéressé à la psychologie. Entendez comment, du côté de la France, vous avez analysé, interprété, indicateur ça, qui sortit dans l'université Michigan et qui sont bonnes nouvelles pour l'économie américaine. Non? Et parfois, gros moteur ça, laisse à bon pour yo, li bon pour reste mon nom en quelque sorte. Entendez et reportage ça. BFM Bourse, l'écho du monde. C'est Michel Ruimi qui nous accompagne pour Lévy Capital Partners. Bonjour Michel. Effectivement, le moral, la confiance des consommateurs américains qui repart à la hausse, net rebond de l'indice du Michigan sur, sur le mois en cours. On passe de 69,7 à 78,8. C'est assez largement au-dessus des attentes, Michel. Oui, tout à fait. Le consommateur semble être toujours en bonne forme. Et avec lui, on va dire qu'aux États-Unis, l'inflation s'améliore, l'emploi reste, on va dire, solide, les taux d'intérêt risquent de baisser. Et donc, en même temps, le prix de l'essence diminue aussi. Donc, on va dire que dans ce contexte, tout va pour le mieux et qu'on peut s'attendre à ce que les bénéfices des entreprises aux États-Unis vont s'accélérer en 2024, au moins le premier semestre. Et la question qui se posait avec cet indicateur de confiance, c'était est-ce que la dynamique d'activité pour les trimestres à venir allait se perturber ? Eh bien, on voit que malgré tout, il y aura sûrement un ralentissement des salaires, il y aura un moindre soutien public, mais que la consommation restera quand même, on va dire, relativement solide parce qu'il y a encore des taux d'épargne encore à utiliser. On va dire ça comme ça. Effectivement, et cette consommation américaine qui tient, on l'a vu cette semaine à travers les ventes au détail, le moral des consommateurs américains qui tient aussi, qui rebondit très très nettement. Quel impact ? On voit les taux obligataires américains remonter un petit peu là. 4,13% pour le 10 ans américain, mais ça n'empêche pas les actions de progresser. Wall Street est à nouveau en hausse aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'Europe, Christine Lagarde s'est pas mal exprimée cette semaine. Encore ce matin à Davos d'ailleurs, Michel. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'elle s'exprimait avant la prochaine décision de politique monétaire jeudi prochain. Pour vous, est-ce qu'une fois que la BCE aura entamé son cycle de baisse de taux, on entrera dans un grand cycle de baisse de taux? Est-ce qu'il y aura beaucoup de baisse de taux? Je ne pense pas parce que d'abord, Christine Lagarde ne s'est pas engagée, elle a dit qu'elle envisageait une réduction au mois de juin, mais elle a aussi l'idée, c'est qu'elle se dit qu'en gros, les données économiques vont gouverner un peu la politique monétaire. Et aujourd'hui, si on regarde un peu l'environnement géopolitique, il y a des tensions et puis surtout beaucoup d'incertitudes au niveau du commerce mondial. On voit le conflit en mer Rouge avec notamment les dernières déclarations de la CGM-CGA, mais il y a aussi les tensions du détroit de Taïwan avec notamment le Taïwan qui est le premier fabricant des puces électroniques. Au Panama, il y a aussi la sécheresse qui limite l'exploitation de ce canal. Donc, en fait, tout ceci risque de perturber les chaînes d'approvisionnement du fait de l'allongement des transports et donc aussi d'avoir des risques de tensions inflationnistes au niveau mondial. Donc, dans ce côté, le contexte mondial n'est pas top. Et puis, les indicateurs de la zone euro montrent que, en fait, on risque de rentrer en récession en fin 2023. Donc,
Ce qui veut dire que l'inflation n'est pas terrassée et qu'elle est capable de ressurgir au gré des événements géopolitiques. Donc dans ce cadre-là, je ne crois pas que la BCE soit encore, elle voit encore l'inflation à 2% pour fin 2024. Et le risque, à mon sens, est d'aller trop vite et de vouloir baisser les taux et de finalement encore gâcher les efforts de ce qui a été fait auparavant. Michel Rémy avec nous, partenaire de Lévy Capital Partners. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir accompagnés. Voilà, nous faisons un coup de pied en France là pour nous voir comment que indicateur ça y a suivi et tout. Donc nous voir que nous-mêmes qui parlons ici là en bas bouche des États-Unis, beaucoup de gros marchés ça, comment l'important pour nous. Ça va permettre que nous fassions transition pour nous recevoir Enomi Germain, qui a dirigé la compagnie les Pro Eco qui est basée en Haïti et qui publie un baromètre, que le baromètre économique et financier 2024. Pour garder comment ça va passer dans l'économie haïtienne, parce que ça va permettre où est côté situation pour aller. Et nous, Germaine Salio, nous disons bienvenue à l'émission. Alors, et bonsoir, je vais saluer tous tes amis auditeurs. Bruno Le Maire, ça n'a pas les téléspectateurs, les spectateurs, parce que c'est le dernier moment. Enfin, on va faire un tour sur le marché crypto avec Alexandre et un format vidéo. Donc, son plaisir pour que nous accouvrons discuter, évidemment. Alexandre, depuis la Fed la semaine dernière, ça ne va pas pour le cours du Bitcoin. On met en place le baromètre économique et financier 2024. Et indicateur là, et où est comment que indicateur ça attire l'attention. Et bon, nous, plus ou moins, ça va remettre ça y est, et dans qui ça se fait, et qui ça le capable utile, et que ce soit les familles. Bon, et vous pouvez être un petit page, on va être groupe bête, nous avons fait l'université, parce que nous avons professeur universitaire, et l'université, le CTPEA. Dans l'université libre, nous-mêmes, nous voulons pour nous capables montrer le peuple là. Ça a fait un gros coup de penser. Donc, qui ça que l'indicateur, ça, par où mettre ça au sorti là, comment le cas aider pour Mounio, pas simplement des économistes, mais pour les familles, je viens de montrer là, et Moun qui a géré l'entreprise, comment est capable de prendre l'information, ça a donné, et pourquoi pas les acteurs politiques, parce que nous connaissons ça, ça représente eux-mêmes tout, ça a représenté pour nous-mêmes. Ok, parfait. Au fait, avec l'introduction de l'indice de confiance de Michigan, ou pratiquement, et mettez question à terre. Ce qui arrive, et Woro, c'est que les anticipations de pratiquement tout agent économique qui sont importants dans l'économie. C'est-à-dire, quand on dit anticipation, c'est-à-dire comment est-ce que agent économique qui prévoit comportement variable économique. C'est pour ça, par exemple, pour ce passé, l'indice de Michigan, c'est-à-dire qui sa consommateur a pensé en quelque sorte. Mais maintenant, quand on parle d'argent économique, il y a plusieurs catégories d'argent, par exemple. Il y a des consommateurs, j'en sais dire, il y a des entreprises, il y a plusieurs catégories d'argent économique, si vous voulez, selon diverses classifications. Mais nous-mêmes, ce que ça nous fait, par exemple, c'est que dans le cadre du baromètre économique et financier, nous intéressons à une catégorie particulière. Catégorie A, c'est des mondes d'accaparer des initiés en économie. Des initiés en économie, nous réunions, si vous voulez, des professionnels de l'économie, de la finance et des politiques publiques que nous ciblons à travers l'enquête-là et nous disons nous que anticipation, moun sa yo, yo capable de peser, si vous voulez, dans le genre évolution variable économique, yo kaye, si vous voulez, dans le futur proche. Pas oublier, nous sommes dans la conjoncture, c'est-à-dire nous avons une situation de futur proche. Nous avons gardé en quelque sorte. Comment yo prévoit l'économie capable d'évoluer, si vous voulez, dans le futur proche ça. Mais maintenant, quand l'économie est capable d'évoluer dans tel sens, selon enquêter ça, selon sonder ça, ou bien agent économique ça, c'est que vous voyez une information. Et bien, information ça, capable d'utiliser à plusieurs catégories d'agents, justement, pour répondre à la question là, directement. D'abord, c'était les politiques publiques, c'est-à-dire, moun ka pren, si vous voulez, les politiques, les preneurs de décision, ça, ou les policymakers, qui n'ont des decision makers, justement. Et bien, moun ça, pratiquement, ça, ou pour vous faire, c'est capter ensemble des formations ça, qui agrégé en quelque sorte, pour que vous ajustez prise de décision. Ça, c'est une première situation. C'est-à-dire, quand vous regardez politique là. Et situation ça, si vous voulez, vous mettez ça, c'est un élément qui est capable de permettre que les politiques prennent des décisions qui sont basées sur des faits, qui sont basées sur des évidences. Mais qui t'aime dire rapidement que le travail ça nous fait là, comme étant mon cabinet
certains conseils qui seront entreprises privées, par exemple, les parents ne doivent même travailler pas, non. C'est à le travail, justement, les preneurs de décision, c'est-à-dire dans l'État, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, au niveau de la Banque centrale, nous connaissons la Banque centrale qui a plusieurs outils, mais au niveau de la Banque centrale, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, comment, en quelque sorte, ils ont anticipé évolution variable à travers anticipation ou ensemble d'acteurs dans l'économie, en quelque sorte. Donc, pour Mounsao, c'est extrêmement important. Mais maintenant, pour les consommateurs, en quelque sorte, pas oublier consommateurs, ils ont besoin de prendre des décisions, ça veut dire des décisions rationnelles. Et par définition, j'en connais une autre définition. Alors, décision rationnelle, c'est des décisions qui chita sur des faits, qui chita sur de l'information. C'est-à-dire, est-ce que les décisions sont guidées par l'information? Maintenant, quand on publie, on donne, par exemple, on doit parler d'inflation. Et justement, bah, on met là-bas l'information sur l'inflation. Livre dit consommateur là, attention. Mais sans ensemble de professionnels penser par rapport à la situation inflationniste là, ou même prise de décision, yo, c'est une opportunité pour baser sur la situation ça, sur donner ça yo, en quelque sorte pour ajuster prise de décision. Yo. C'est même genre situation de taux de change là. Par exemple, on connaît un paquet d'acteurs justement qui a anticipé ce taux de change là, qui a spéculé. La spéculation, c'est pas une mauvaise chose. Ce sont donc des acteurs économiques qui ont cherché justement à prendre des positions. Et évidemment, une fois l'union économique, même si, et justement, politique a gagné en quelque sorte pour limiter les effets néfastes que vous voulez de anticipation. Donc, ça voulait dire que non seulement l'utile avec les preneurs de décision au niveau public, mais également au niveau privé, parce que quand vous gagnez, par exemple, des investisseurs qui ont pris des décisions d'investir, vous avez aimé qu'on ait qui sa capacité, si vous voulez, nos futurs proches, ou bien même nos futurs longs en quelque sorte. Donc, quand vous gagnez, on va vous mettre qui bat des informations sur l'environnement économique de manière globale, un, qui bat des informations sur des variables clés de l'économie, et mais c'est déjà 11 outils qui sont capables de permettre d'orienter plus de décisions. Donc, en gros, baromètre en quelque sorte, c'est un véritable sondage qui fait sur l'économie en Haïti pour regarder l'évolution future souvelée d'un ensemble de variables économiques à partir d'un ensemble d'anticipations d'acteurs et ces données aura guidé les prises de décision au niveau public, au niveau privé ou même au niveau personnel. Mm-hmm. Nous connaissons que économistes avec médecins parfois qu'on semble dans le travail. Yo. Donc, médecin, c'est un moment là, le point lui-même, vous regardez sous la fièvre. Dis-nous, et quel résultat que nous jouons à partir de sondage ça a qu'une fait beaucoup de professionnels combien étayé et qui capable pour moun yo ka comprendre c'est bon bagarre on écrit dans tête ou dire me faire comme ça donc consulter des moun ou regarder qui sentiment comment on senti bagarre là donc dis nous combien étayé et qui résultat que nous joine à partir de premier baromètre nous. Alors, et d'abord, et ça nous essaie de faire justement le NAP fait et enquête ça nous utilisons méthodologie étudiants va comprendre très bien que Aurélien trouver en méthodologie non probabiliste, étant donné que, même dire non probabiliste, c'est pas sous base de probabilité que nous choisissons, étant donné que, étudiant va comprendre, parmi ça, un univers statistique pour choisir mon univers statistique, là, on veut dire population totale de professionnels de l'économie. Ouais. Mais ce qu'on a fait justement, Roro, eh bien, on a recruté pratiquement 4 personnes qui connaissent, en quelque sorte, techniciens qui connaissent l'environnement et qui proposent un ensemble de noms de techniciens. Et comme ça, on a justement constitué une liste de 336 professionnels de l'économie. Quand on dit 336 professionnels de l'économie, eh bien, c'est-à-dire qu'on a un échantillon. Eh bien, l'échantillon a été choisi sur la base de 2 techniques d'échantillonnage combinées. C'est-à-dire que nous sommes plus ou moins scientifiques, techniques, en ce sens que nous avons 2 techniques d'échantillonnage très validées que nous utilisons. Première là, c'est ça, Aurélie, un échantillonnage au jugé. Au jugé, vous l'avez dit que professionnel, ça a technicien, ça a choisi des professionnels de l'économie, de la finance ou bien des politiques publiques de manière générale, c'est jugé au jugé, sous la base d'un ensemble d'indicateurs que nous élaborons pour que yon dit que moun sa nous cap considérer l'enquête là, ou bien personnalité ça ne va pas considérer l'enquête là, ça c'est un. Maintenant, deuxième technique d'échantillonnage que nous utilisons après au jugé, c'est ça où est la méthode de boule de neige en statistique. Boule de neige là, de manière très simple, elle consistait au fait qu'un professionnel de l'économie qui recevait un questionnaire là, est capable de partager avec d'autres professionnels de l'économie, de la finance et des politiques publiques, que l'estimer du même profil que nous décrit pour lui, dans le cadre de message qui accompagnait justement le questionnaire ça. Donc, on
combinaison de deux méthodes pour que nous former en liste de 336 professionnels de l'économie. Maintenant, on est passé, c'est que quand on a un échantillon, on partit avec, nous avons un univers statistique d'abord, pas un échantillon, et que on cible les 336, c'est pas tous les 336 professionnels qui répondent. Mm-hmm. Eh bien, on a eu un taux de réponse d'environ 32,44%. 32,44% veut dire qu'il y a 109 professionnels, en tout cas, en quelque sorte représentatifs, qui répondent avec enquête là. Professionnels, ça a rapidement. C'était donc pratiquement 85,3% et la diversité, et en tout cas deux sexes masculins, c'est-à-dire deux garçons, alors que seulement 14,7% c'est femmes. Là, peut-être que vous comprenez pas que y a une inégalité en matière d'ensemble de métiers dans le pays. Donc déjà, ça a révélé que et gagné des pistes pour nous fouiller davantage. C'est-à-dire qu'il y a plus de garçons qui participent dans l'enquête que filles. Ça, c'est une. Deuxièmement, il était justement et très différent en matière d'âge. Par exemple, vous avez 2,8% de monde qui participent à l'enquête là, vous avez 65 ans et plus. 9,2%, vous avez entre 55 et 64 ans. 15,6%, vous avez entre 45 et 54 ans. 37,6%, vous avez entre 35 et 44 ans. Et vous avez 34,9% qui vous avez plus passé 34 ans. Mais mettons, vous avez un côté à vivre. Mais pas oublier, tout à l'heure, vous avez expliqué très bien que vous avez financé un déplacement dans la diaspora. C'est pour une raison extrêmement simple, c'est que la diaspora est extrêmement importante. Mais ce qui arrive dans le cadre de ce sondage, c'est que 49,5% des répondants, c'est des gens qui vivent en Haïti, pas les noms, pas quelques cadres en Amérique du Nord, eh bien, il a eu que 50,5% c'est des gens qui vivent dans les différents pays de la diaspora, et en particulier les États-Unis et le Canada. C'est-à-dire, c'est comme ça le reparti. Mais les gens qui ont on a travaillé dans plusieurs secteurs avant de bons résultats, et le chiffre clé, ils ont travaillé dans plusieurs secteurs de l'économie. Par exemple, ils ont travaillé dans des universités, ils ont travaillé dans des entreprises privées, ils ont des contractuels de l'administration publique, ils ont des fonctionnaires, etc. etc. D'accord, que tout corps de métier est pratiquement représenté en quelque sorte dans le cadre de ce sondage, et c'est pour ça que nous louons peut-être nous de cette diversité que nous trouvons. Dans le cadre du sondage. Donc, pour me conclure par ça, pour moi, chiffre Cléo, c'est que dans le cadre de ce sondage, nous gagnons un échantillon que des cibles qui est assez représentatif et nous utilisons les véritables méthodes statistiques, techniques statistiques, justement, qui doivent utiliser pour faire le sondage, ça, pour faire la petite comparaison rapidement. Columbia University, qui est une université que m'apprécie un peu pour les disciplines que j'ai enseignées, lui-même, lui-même, fait type de sondage, ça, en pile fois, c'est auprès d'une vingtaine de professionnels, c'est-à-dire des experts de l'économie, auprès d'une dizaine, pour essayer d'agréger en quelque sorte un ensemble d'opinions. Donc, nous-mêmes, avec quand même, et on 336 professionnels qui ciblaient un taux de réponse justement d'environ 32,44%, c'est-à-dire quand même on a un échantillon assez représentatif. Maintenant, qu'en est-il des chiffres clés, comme vous m'avez dit, ça chiffre clé au gros, c'est que dans l'ensemble, ça c'est la nouvelle, c'est que les professionnels de l'économie sont très pessimistes en ce qui concerne la situation de l'économie haïtienne pour l'année 2024. N'importe quel détail, mais c'est extrêmement important, moi je dis, là, pas oublier. Nous avons une culture sondage trop en Haïti, c'est que ce type de sondage, ça vous fait, il y a des perspectives. Perspectives, il y a capable très pessimiste, il y a capable tout très optimiste. Maintenant, quand il y a pessimiste, c'est que la réalité a prouvé que sa professionnelle a été pensée par ça, c'est une bonne chose. Parce que le sondage, vous faites dans quelle idée? Vous faites dans l'idée pour éclairer la prise de décision. Dans des idées d'anticipation sur les deux comportements de variables économiques. Mais si vous prenez des décisions, vous captez l'information sur ce type de sondage, vous prenez des décisions appropriées, que vous déviez les anticipations négatives, c'est une bonne chose. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous avons cherché. Nous avons cherché pour que nos anticipations, je vais vous parler en économie de manière très sophistiquée, soient adaptatives. Nous avons cherché des anticipations adaptatives, ça nous dit, c'est pour arriver. Mais en tout cas, nous sonner. Si vous voulez nous tirer la sonnette d'alarme pour que nous disions, mais ça, mon Dieu, pensez, nous-mêmes prenons une décision pour nous dévier. Eh bien, nous trouvons que 78,7% professionnels nous demandent comment il y a une question de croissance économique en 2024. Ils disent que 2024, ils pensent que la plus difficile que 2023. Autrement dit, ils pensent que 2024 encore, nous allons aller dans l'autre situation de croissance négative encore. 78,7%. C'est-à-dire la grande majorité en quelque sorte. Ça, c'est un. Maintenant, mais nous disons, mais pourquoi est-ce que les professionnels de l'économie, vous pensez que situation est la comme ça en 2024? Nous gagnons 82,6% des professionnels, ou bien des répondants du sondage,
qui dit que il y a deux freins à l'économie en Haïti. C'est l'insécurité qui a perturbé la croissance en 2024 et deuxièmement l'incertitude politique. Qui t'aime donc que mon salaire pratiquement est allé dans le même sens que l'IHSC qui te dit que 2023, c'est deux événements ça, notamment qui étaient en quelque sorte constitué de véritables goulots d'étranglement pour l'économie en Haïti. Et troisième chiffre important, on gagne 75,2% des professionnels qui anticipaient une inflation à la hausse en 2024, en dépit du fait que depuis octobre, j'en connais un euro, nous avons une situation de ralentissement de l'inflation. Il va les prix baisser, mais je comprends ça, il va les prix baisser. Mm-hmm. C'est le rythme d'augmentation des prix qui casse en quelque sorte. Quatrième chiffre extrêmement important, il y a 47,7% des professionnels qui disent qu'il n'y a pas tant de que Goudla est déprécié en 2024. Mais là, c'est une bonne nouvelle, oui, pour la Banque centrale. C'est que si vous avez seulement 47,7% de monde qui pense que prix va augmenter, que différence, non, c'est-à-dire 52,3% pensent que soit la stable ou bien la baisser sont bonnes nouvelles. C'est-à-dire, pas oublier, en économie, la chose la plus importante, c'est la stabilité. Ce n'est pas forcément le niveau des prix. Donc, c'est la stabilité. Sont bonnes nouvelles, qui s'est qu'à expliquer ça, nous, c'est expliqué, pas oublier, non. Opinion, ça, ce ne sont pas les opinions de Blaise Kensley, de Hino Mijermain, de Bergeline ou de Harris Fleurimet, mais c'est opinion extérieure que nous présenter, évidemment, que nous avons interprété. Bien. Pour qui ça, c'est important pour moi? Pour qui ça, c'est tu as ça nous pense c'est important bon ça là nous surtout mais ça que tu as expliqué c'est que pas oublier mon yo rend compte que depuis le mois d'avril où on situation de baisse de taux de change on situation C1 et ça en finance de marché on situation qui explique que y aurait l'effet de momentum. L'effet de momentum c'est que agent économique qui rend compte que mon variable qui a baissé pendant un durée qui est assez longue c'est pas même réalité pour l'inflation. Donc l'inflation commence à baisser à partir ou bien le rythme d'augmentation des prix commence à baisser à partir du mois d'octobre alors que pour le taux de change dit plus ou moins institution confiance puisque il commence à baisser depuis le mois d'avril 2023. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, peut-être que le consommateur dit que mon nouveau leadership à la tête de la Banque centrale va oublier. Non, ça compte marcher, ça passe sur le marché financier. Donc, on a besoin d'euros. À chaque fois, mon changement de leadership, mon nouvelle confiance, ou si tu as parlé de sentiment index, eh bien, mon nouveau pratiquement, il dit que tu es OK, bah, il est capable de bon. Donc, son situation plus ou moins favorable pour taux de changement. Et là, il permet de nous faire une conclusion rapide, même si on ne va pas mettre dans l'étude. C'est que l'important, pour que sous besoin influencer anticipation consommateur ou anticipation acteur économique, il est important pour vous des signaux plus ou moins crédibles sur la durée. Ce que nous allons jamais faire en Haïti et depuis et souvelez les 30 dernières années. Souvelez les derniers chiffres que nous avons partagé avant, c'est que nous dit et répondant yo, mais où est anticipation ça et négative concernant l'économie pour l'année 2024 d'après vous même qui s'acte de priorité du gouvernement pour l'année 2024 mais 83,5% des répondants dit que c'est le combat contre l'insécurité nous tout mettez la question des élections pour nous rendre compte que ça va passer dans la question électorale nous rendre compte que c'est seulement environ 9% répondant qui dit que 2024 élections ça va faire là on va pas la politicienne on a fait sondage. Nous tout simplement intégrer des variables pour nous garder l'attente ou bien les attentes en quelque sorte des répondants. C'est ça, répondant yo, dis-nous en quelque sorte. Donc voilà, sous les situations globales qui mettaient en évidence par sondage ça, qui justement a doué et ont outils que politiques yo, ou bien des institutions mettaient en place que nous-mêmes, évidemment, beaucoup de parents, nous prenons l'initiative de mettre en place. Donc, on croit que vous expliquez son travail scientifique qui fait, pas aucune émotion là-dedans. C'est de monde qu'on consulte, des professionnels qui suivent l'économie haïtienne. Non? Maintenant, et qui message que Banque centrale avec ministère des Finances, deux acteurs qui sont très très lourds dans la décision économique, yo, est-ce que son DAI, ça, baromètre, ça, vous avez supposé l'île? Est-ce que le chief économiste de l'institution, ça, vous avez supposé garder et comment il est capable de vous? Eh bien, justement, c'est dans l'objectif ça même que nous faisons dans le Babli. Pour EcoHaïti, qui sont un groupe partenaire, un groupe de croissance, évidemment. Pour EcoHaïti, les mêmes missions, c'est accompagner et le gouvernement, accompagner les entreprises publiques, l'international ou les entreprises privées dans leur prise de décision. Nous apprendre avec un peu de fierté qu'au niveau de la Banque centrale, gagner même de réflexion qui fait sous baromètre là. Nous bien apprendre ça, nous bien content. Évidemment, nous pas consulter directement puisque nous sommes des acteurs qui doivent être dans la position pas nous. Mais nous bien apprendre que la Banque centrale gagne des réflexions et nous pas étonner trop non puisque nous connaissons avec ce nouveau leadership, c'est et quel, en quelque sorte un gouverneur qui montrait dans diverses et interventions que l'a fait, qu'il a un penchant pour la recherche. Et de nous souhaiter que vous cherchez ça va permettre pays à sortir de ça. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est moins réceptif puisque nous prenons le soin. Nous voyons, résultat sondage là-bas, toute institution, en dépit du fait que nous, en tout cas, divulguer la
travers les médias. Eh bien, nous rendons compte qu'il n'y a absolument et aucune réaction de la part du ministère de l'Économie et des Finances. On souhaitait tout simplement que le ministère la va utiliser pour consulter mes stages-là, pour comprendre que c'est des professionnels, vous très volontaristes dans l'économie, qui justement prennent des décisions en utilisant les outils scientifiques qui sont disponibles pour que vous soutiez un bagage pour l'économie en Haïti. Nous avons souhaité véritablement que vous utilisez, puisque l'enquête là a un véritable message. Il dit que toute décision de politique économique, de politique budgétaire ou de politique monétaire qui prend l'économie, apparemment, professionnels pensent qu'il n'y a pas de résultat. Donc, soit travail pour un pays, ou travail justement pour tout agent économique, eh bien, mais voilà que un groupe très représentatif qui dit pas de résultat, eh bien, ce doit être un message extrêmement important pour vous, pour ajuster vos prises de décision. C'est ça l'objectif d'enquête là. C'est comment nous capables de ramener à ajuster leurs prises de décision en se basant sur des évidences, puisque ça nous rend disponible à Oro, c'était des évidences. Sans ouais et indice de confiance de Michigan, c'est des évidences. Il dit, mais qui ça va aller? Et mais prendre décision. Nous avons souhaité véritablement que le message lui recevoir par acteur ça, pour qu'il va ajuster prise de décision pour que vous déjouez en situation négative ça qui vient sur l'économie pour l'année 2024. Tout à l'heure, on a expliqué comment que l'indice Michigan et Maison Blanche ont interprété. Bon, certainement, c'est bon pour lui parce que l'économie est pas mal, qui t'a dit que le président avec politique économique, ça marche bien. Mais faut que, et c'est ça le travail, nous, il n'y a pas beau ici, là, on parle là simplement pour nous faire simplement économie, parce que nous avons parlé d'économie en politique que domine en même carbone. D'ailleurs, je préfère politique à l'économie, en anglais, politique l'arrivée avant l'économie. Donc, il faut gagner en d'imprimature. Bon, on va parler de primature, ça, parce que même si un problème structurel, on va parler d'un pays. Tu es capable de gagner un économiste qui est en primature, et lorsque le président est là, tout. La Maison Blanche, pas nous qui écrasé. Il faut avoir des gens qui là, ça fait économie pour analyser, pour regarder, mais comment que la population a regardé la situation. Mais feeling, yo, sentiment, c'est feeling. Yo. Ça va pas dire exact, non, dans ce psychologique là. Mais elle est capable de boire une ligne quand on peut aller en quelque sorte. Moi, je suis sûr que l'indice que ça sorti aux États-Unis, là, dans Michigan, là, que l'un camp républicain, que l'un camp démocrate, là, eh, ben là, analyser là parce que le pral gon impact sur l'élection pral venir là. Comment arriver à amener, je parle de acteurs politiques et acteurs économiques, comment pour que acteurs politiques, eh bien, lorsque indicateur ça sorti, mais c'est pas bien l'autre cap venir, par contre, qui va tout dire, qui fréquence la sorti, pour qu'on va prendre donner ça, pour dire, ah, mes amis, mais comment la population sentit, mais comment bah yo, mais comment technicien yo, ou soit bah evidence base, c'est pas des bagages comme si vous tirez l'on chapeau, ou vous dire, mais feeling moun yo, non, ou gagne des techniques qui permettent de faire ça. Comment vous influencez politiciens et que ça clarounia, ça va venir avec ces données scientifiques parce que données qu'on est fondamentales pour la prise de décision. Alors, et c'est toute une culture, c'est ça qu'on fait là depuis 30 ans, c'est toute une culture. C'est-à-dire que comment, en quelque sorte, nous capables de faire politique pour comprendre que données, ça, ils doivent utiliser. Mais pas oublier, les politiques, ils travaillent pour qu'ils laissent, ils travaillent justement pour la population. Maintenant, si la population, c'est une population qui n'est pas formée sur ça, ne pas comprendre que l'élément ça est important pour eux, mais politiquement, plus facile pour le négliger. Mais si vous gagnez justement une population qui prend décision de tout baser sur données, tu as l'adaptant aux États-Unis. Quand justement, affaire mon bon, vous votez, quand affaire pas bon, vous votez justement. Maintenant, comment en quelque sorte, ou ça oui en anglais, build awareness population ça, pour que justement, ou dire que, écoutez, l'important pour suivre politicien yo à partir justement de décisions pour qu'elle ait sens ça. Donc c'est toute une culture qui vous construit. Nous-mêmes, nous parlons, nous à peine commençons. Autrement des fréquences, évidemment, bah, on met là toujours sorti chaque fin d'année. Et deuxièmement, pas oublier, bah, on met 2024. Bah, on met 2025, mais en dedans, bah, on met là plusieurs initiatives. Par exemple, pour quoi était capable d'annoncer là, c'est que prochain sondage qui a sorti justement sous sentiment entrepreneurial, c'est-à-dire que les acteurs du monde des affaires, comment est-ce qu'il y aurait déroulement économique ou ensemble de variables clés, c'est-à-dire des variables extrêmement standards qui utilisent en quelque sorte dans tout pays pour essayer de garder en quelque sorte. Donc, moi, je pense que pour influencer politique, il faut que la population, justement, l'y former,
et que l'y exiger que y ait des décisions qui basées sur données qui va résultat. Parce que leur décision basée sur données, on ne doit pas réussir. On ne doit pas réussir. Puisque justement, toujours, il y a une marge d'erreur dans l'ensemble des décisions qu'ils ont prises. Mais quand tu ne vas pas baser sur données du tout, c'est que l'échec est évident. C'est ça, où il est une probabilité certaine. C'est ça, où il est un événement certain. Événement certain, c'est que de toute façon, il est évident qu'il y a un échec parce que décision pas basée sur données. Plutôt basée sur données, on va gagner un minimum de chance justement pour réussir en quelque sorte. Donc nous-mêmes, bon côté PAN, comme étant une institution de la société civile en quelque sorte, n'a continué pomper sous les des données en respectant l'ensemble des techniques qui sont disponibles. Et deuxièmement, l'autre côté, n'a formé, essayé de participer sur le sub-trassoir, essayé de former la population en quelque sorte. Et puis justement, demander aux politiciens comment on va aller. Parce que le bizarre, c'est que quand le résultat de l'enquête là sorti, on a l'impression qu'il y a plus d'acteurs du monde international qui contactent que des politiques. C'est-à-dire des politiques qui justement. Donc c'est-à-dire que c'est compliqué. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de contacter, non, non. Parce que tout simplement, nous voyons donner là, nous mettons sur mon site internet, tout le monde y a accès avec eux. Nous mettons au nom l'écriture facile, pas long, 10 pages ou plus, pour que tout le monde soit capable de comprendre. Nous n'avons pas besoin de contacter, non, mais nous avons besoin tout simplement que vous utilisez données pour prendre des décisions qui justement pour aller dans le sens et dans situation favorable pour le pays. J'espère que le secteur des affaires, lui-même, tout l'intéressé par donner ça, parce que là-bas, plus ou moins comment environnement des affaires là, donc l'acte spécialisé pour ça, donc il est capable d'interpréter, ou soit bien dit là, cette culture statistique qu'il faut, bien sûr, presque dit, imposer dans le pays, si nous voulons moderniser le pays. Un dernier mot? Merci, et nous disons que, évidemment, je connais déjà, qui discutait avant depuis même création pour Eco Haïti, c'est que c'est un engagement pour un véritable accompagnement de qualité au secteur et public, privé et international, que pour Eco Haïti, son engagement que pour Eco Haïti gagne dans ce sens-là. Et merci pour l'opportunité, et puis évidemment, on a continué le travail pour que peut-être que nous arrivions avec une amélioration véritable des conditions de vie dans ce pays, puisque c'est la finalité. Et nous, Jamin, qui est responsable pour ECO, qui soutient l'enquête, ça, baromètre là, qui est très important, qui fait analyse de la velle. Nous disons bonne chance et après tonne et l'autre information, parce que nous sommes nous économistes, nous ne sommes pas produits trop. Ce n'est pas nous qui avons fait entreprise, fait pays, fait PIB. C'est pas les contenus contre PIB. Nous ne sommes pas produits PIB, ce n'est pas chita pour nous faire business, pour nous avancer en quelque sorte. Donc pour ECO, j'espère que nous sommes capables vraiment de faire travailler ça et assister entrepreneurs. Et na ouais, peut-être la prochaine publication qu'on pourra publier, parce que le public là, lui-même, lui au courant de tout ça. Nous proposons à tout quelques instants, avec plaisir, nous proposons à tout quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission, côté nous pourrons parler de un point important, parce que bah, ça fait débat en pile, 12 septembre, qui est arrivé en 2010, là, nous allons regarder pour ça a été échoué.